Salut tout le monde, c'est Kia Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mafia 3. Et là en fait je viens juste de... Je sais pas quoi prendre comme mission. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut faire quoi? Marché noir. Perdu est une vraie fouine, mais il va expulser la mafia de ce... D'accord, tant que pour vous, ok. Bon ok, on va faire ça. Cette voiture, elle le bombarde un truc de fou. Pour le moment, j'ai fait quoi comme cible? Je vais le voir vite fait. Il m'en reste deux. Alors, c'est où en fait? Je sais pas en vrai, parce que là, c'est où je me fais Tommy. Tommy directement. Ou je commence à vouloir attaquer encore les inconnus de tout en bas de l'échelle pour remonter sur ces deux. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, après, je me ferai les trois à la suite. Ça sera plus classe hein, en vidéo. Ouais, on va faire comme ça. Ah, faut que j'aille là-haut. On va faire ça. Tommy et tout, ça, on fera ça plus tard. Dès qu'on aura les trois cibles, je me les ferai un par un. Merde, il me dit pas ce chemin. Ouais, je sais pas, on verra bien. Ah merde, ça sent pas bon cette histoire, ça m'emmène où? Oh bordel, ça veut pas monter la colline. Mais c'est quoi ce chemin où je suis allé, bordel? Oh, je me crois dans un jeu de rallye. Putain, tout ça pour aller attendre sur un banc. Ça te dit quelque chose, Enzo Conti? Je crois que Sammy en a parlé une ou deux fois. 61 ans, un vieux de la vieille. Il a longtemps dirigé Barclay Mills. Il a commencé avec les chemins de fer et il est passé aux déchets industriels. Tous les équipements lourds de construction et le matériel du casino. Acier, béton, moule, ce genre de trucs. Tout a été transporté dans les trains d'Enzo. Toute cette merde, ça doit valoir des millions. Enzo n'a clairement pas confié ça au premier mec qui passe par là. Vu que Marcano est fiché, il doit avoir un associé. Quelqu'un de réglo. Par contre, de là à savoir qui c'est, aucune trace dans la paperasse, c'est un vrai casse-tête. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'Enzo nous dise qui c'est. Si j'en crois mes sources, Enzo n'est pas très partant pour le casino. D'après lui, il faut s'appeler Sal Marcano si on ne veut pas y laisser sa chemise. Donc je peux utiliser ça à mon avantage. Il va falloir lui mettre la pression, mais tu peux essayer. Il est toujours dans les chemins de fer, et il doit stocker tous ses déchets quelque part. Cherche de ce côté. Dès que je contrôlerai son quartier, je l'appellerai du motel et je lui proposerai un marché. Et si ça foire, tu peux toujours lui envoyer un bourreau. Il fait flipper lui, il rigole deux secondes. Ok. On a débloqué ça et ça. Décharge, ok. C'est deux trucs à faire. Allez. On va chercher les informations. Oula, ils ont apparu devant moi, les gars. Chercher les infos. On va les détruire tout le temps. Détruire tout le temps, tout le temps, tout le temps des trucs.
Renzo hors service à leur première étape pour découvrir l'identité de son chef. Ok. Ça va, je commence à comprendre le principe. Regardez qui voilà. Je m'attendais pas à te voir sur pied, Connie. Putain, mec. C'était la folie quand t'as pris d'assaut l'entrepôt de River Row. Mais je m'en suis sorti indemne. Il paraît que t'es au courant d'un truc à propos du dépôt de Barclay. Ouais. C'est plus un truc entre nous. Ton pote avec le beau costume beige, il s'est dit que t'aurais besoin d'yeux et d'oreilles pour surveiller les envois de Santini. Qu'est-ce qu'il mijote, Santini? C'est lui qui assure la protection ici à Barclay. Si tu veux être sûr que ta marchandise aille là où elle est censée aller, il faut que tu payes les hommes de Pete. C'est un boulot plutôt bas de gamme pour des types de Marcano. Pas tant que ça. Tu t'es jamais demandé pourquoi il y avait autant d'armes ici? C'est Santini qui les importe en ville à la demande de Marcano et d'Enzo. Si tu mets fin à ce business, tu feras mal aux affaires de Pete. Ok. J'essaye de choper cette carte et je te tiens au courant. À plus tard. Quoi faire? Mets la pression sur les gars de Santini et laisse-les balancer. Allez. Prendre ça vite fait. C'est parti. Alors. Je peux passer par là, non? Ah si. Dans la terre, cette voiture, c'est de la merde. Du passage, là, non? Putain, c'est dangereux. Dans le jeu, ça rigole pas. Ah, ça peut me coûter la vie, cette histoire-là. Oh mon Dieu. Comment c'était dangereux. J'ai failli vraiment le regretter, je vous dis la vérité. Il y a notre chemin, on dirait. Allez, c'est parti. T'as du matos juste là? Non. Attends, c'est à l'intérieur ou quoi? Ouais, c'est à l'intérieur. Je peux pas monter directement à l'étage? Ça serait trop bon. Donnez-moi ça. Comment ça va? Allez. Allez, faut faire du dégât. Faut ramasser tout ce qu'on peut. Excusez-moi. J'ai mis un direct, font semblant de pas comprendre. Plus que 18 000. Tu vas prendre une co...
Putain, je me suis fait repérer. Je vais te tailler un beau sourire. Là, je peux la voir là. Oh mais non, mais non. C'était tellement si bien joué. Comment j'ai tout gâché à la fin. J'avais plus de balles. Oh putain. Oh, j'en ai marre. Faut tout, je recommence. Truc de dingue. Bon, avec des chargements un tout petit peu plus courts, ça serait bien. Hein. T'as pas envie de mourir. Hein. Allez. Voilà. J'ai perdu mini-ni-ni-ni. Foiré. Ah, mais j'ai gardé, d'accord, les 17 000, c'est bon. De sa mère. Ah, ça c'est bon ça par contre. Vas-y, on remonte. Hein. C'est quoi? C'est plus rien? Faites votre boulot et trouvez-le. Encore des trucs à détruire, je comprends pas. Ah, vous voulez la carte? Putain, elle était là, la carte, je l'ai pas vue. Je l'avais pas vue. Ok. Bon, voilà. C'est bon, ça c'est fait. Ça va, j'ai pas eu tout à refaire non plus. J'aurais vu la carte au début, j'aurais pu la prendre et me barrer. Mais ça y est, c'était fait, quoi. Ah là là. Kijisi Kong. Bon, ça c'est fait. Non, on peut se casser. Voilà, péter une jambe. Ranger l'arme. Ah, j'ai perdu ma caisse dans cette histoire. Dégage, dégage. C'est ma voiture. Oui, très bien. Mais comment ça se fait que c'est aussi long? M'emmène-nous là? Eh, tu m'emmènes où, mec? Putain, mais c'est super loin! Il y avait d'autres trucs là, juste là. Attends. Ah, mais pire, je reviendrai s'il faut. Alors, on va aller là-bas. Ça doit pas être pour rien. Si on devait aller chercher la carte et faire ça, c'est pas pour rien. C'est mieux de faire ça. Bon, par contre, c'est à 2000... Enfin, c'est à 2 km, quoi.
Des fois dans sa... Enfin, vous avez déjà peut-être eu Barjo, mais... Des fois dans sa façon de faire au jeu, le... comment ça fonctionne, ça fait penser un peu à un Assassin's Creed. Je sais pas pourquoi. Je me dis, mais pourquoi il raconte ça? Mais ça, il... enfin, les mécaniques du jeu. Pourquoi faut que je passe là-bas? Ah, oula, mais je suis loin d'être arrivé, là. C'est 1200 mètres. Je crois que c'était écrit 119 mètres. Oh putain, je bombarde. Là, on est arrivé. Allez, je me gare là. Voilà, je sais pas, j'ai envie de ramasser ça. Une envie soudaine. Tout ça pour ça. Eh, là, je suis pas le bienvenu, là. Dès que j'en vois un, je le prends par les cheveux. Il tient sur quoi, les gars, ils s'entraînent? Font des tests? Et moi 2000. Putain, mais ils font trop mal. Allez, ils vont me tuer, ces enculés. Voilà. Combien ça? 800? Putain, il reste pas grand chose. Allez, mon ami. À la dernière. Ouh, si t'es miné. Ah putain, j'ai réussi. C'est nickel. Je sais pas s'il faut que je la ramasse au moins une fois pour qu'elle soit gratos. Allez, c'est bon. Maintenant, faut faire le même chemin dans l'autre sens. Putain, mais barre-toi!
va tracer jusqu'à là-bas. Ouh là là. Ah, faut dire que j'ai pas pris le véhicule le plus rapide du jeu. Hein, pour aller jusqu'à là-bas. Ouh là là, ouh là là. Là, faudrait que je vire l'argent parce que 4800, faut pas que je crache dessus. Et que tu meurs, tu perds 50%. J'ai l'impression que je suis allé beaucoup plus vite pour revenir que pour y aller. Par contre là je vais bien écouter la route, je vais pas faire comme tout à l'heure. Allez, grimpe. Eh ben, c'était pas le plus marrant. Sont les nouveaux nazis. Putain, t'as fait forte impression, mon gars. Enfin, sans vouloir t'offenser. Écoute, Santini n'apprécie pas du tout que les gens puissent penser qu'ils n'ont pas besoin de payer pour être protégés. Et apparemment, personne n'a plus confiance en lui pour assurer les deals d'armes habituels. J'imagine que ça doit le foutre en rogne. Enzo, Marcano et lui sont affaiblis. Va au dépôt ferroviaire. Santini s'y trouve. Il essaie de réfléchir à ce qu'il va pouvoir faire. C'était sympa, Connie. Continue comme ça. Ok. J'ai hâte d'être en vacances. Je vais voir de la famille en Floride. Ok. Oh, est-ce que c'est loin? Non, c'est juste en bas. Ah ouais, les gars, poussez-vous de la route, putain. Je vous veux pas de mal, mais là vous faites chier. On fait pas comme tout à l'heure. Oh là 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 là, qu'est-ce que je viens de faire, bordel? C'est quoi ces arbustes, ils sont faits en fer là? Putain de sa mère! Je vais arriver là-bas, j'ai même plus de vite. Ah tiens, en parlant de ça, on va faire les choses bien. Vous posez là. On va appeler Bugitos. Je me déleste d'un peu de fric à Barclay. J'arrive. 4800, je crache pas dessus, j'en ai marre. Et ma biche. Prends l'argent. Ok. On confie ça. On s'occupe de quoi? Je crois que je peux y aller. Allez, c'est parti. Désolé. T'avais pas une autre entrée là? Ouais, parce que là, je pense pas qu'ils vont apprécier ma venue.
je sais, d'accord, c'est là où j'étais tout à l'heure. On va passer par là-bas. On va remonter par l'échelle, comme tout à l'heure. Donnez-moi ça, dès que tu connais. Par contre... Ah bah là... On pas kiffé. Vite, 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 vite. Tu sais, j'ai vraiment cru que je pourrais y arriver. T'avais tort, on dirait. Surprise! Ah, il se casse. Alors là, franchement, j'ai trop assuré. Rien à dire. Ah, ça me fait quoi? Freinage et prise de virage améliorée pour tous les véhicules avec adhérence améliorée. Oh, c'est pas marrant, ça. Pourra désactiver opératrice de standard 2. Pendant un court instant. Y'a quoi d'autre? Augmente la vitesse de pointe de tous les véhicules. En réduisant légèrement l'accélération. Ouais. Courez et nagez plus longtemps et recouvrez plus vite votre santé. Putain, ça c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Fournir un dispositif, ouais. Boost d'accélération de tous les véhicules. Putain. C'est compliqué là. Ça va faire des jaloux, mais bon. Allez, je vais celui-là. J'ai besoin d'hommes à toi, Barclay Mills. C'est comme si c'était fait. Ils seront là en moins de deux. Et on passe plaindre, hein. C'est bon, je vais leur donner des trucs aussi. Hein. On va avoir des quartiers. Pourquoi je suis devenu prêtre? Toutes les mauvaises expériences, tous les traumatismes, ça vous lâche jamais. On peut bien sûr les oublier un moment, mais il suffit d'un autre problème. Que soit son ampleur, et tout revient en mémoire. Vous en ressentez de nouveau le poids, un poids que je ne pouvais pas supporter tout seul. Il faudrait que j'aille le voir, le père James. On va sortir où je suis là. Ils m'ont mis en bas, c'est bien. Bon bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Parce que ça fait 30 minutes bientôt. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Dodieu. Et puis Mafia 2, Mafia 3 aussi. Et puis laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.